Je suis étudiante à Neoma Business School. Pour ma part, j'ai choisi le CESEM pour trois différentes raisons. La première raison, c'est le fait d'effectuer un double diplôme avec des universités prestigieuses et de renommée mondiale. La deuxième raison, c'est pour la formation professionnelle. Au CESEM, on a 6 mois de stage en France et 6 mois de stage à l'étranger dans notre université partenaire. Et la troisième raison, c'est l'expérience globale, le fait de s'immerger pendant 2 ans dans une nouvelle culture, mais aussi de développer de nouvelles compétences linguistiques. J'ai intégré le programme CESEM à Neoma Business School. J'ai fait le choix en fait d'aller directement au Brésil et donc mon premier choix c'était la FGV de Sao Paulo. J'ai choisi FGV de Sao Paulo pour son excellence académique. C'est une école triplement accréditée comme Neoma Business School et j'ai aussi choisi FGV de Sao Paulo aussi pour le Brésil car en fait j'adore ce pays. Ça a toujours été un rêve de vivre ici au Brésil et vivre une expérience en fait professionnelle, personnelle mais aussi académique. Comme je suis en double diplôme ici à FGV, je dois prendre des cours obligatoires. Et ensuite, il y a des cours à la carte que FGV nous propose. Le semestre passé, j'ai fait un cours de géopolitique d'Amérique latine. J'ai fait aussi un cours d'économie brésilienne. Les cours ici à FGV sont très différents des cours en France, car on a beaucoup plus de travail personnel, mais aussi beaucoup de travaux de groupe. Et ce qui est cool avec les travaux de groupe, c'est qu'on rencontre des nouvelles personnes chaque semestre. Quand on arrive à FGV, on est intégré grâce à une association qui s'appelle FGV Welcomes. Ce sont des élèves de FGV Sao Paulo qui nous intègrent au sein de l'école et aussi au sein de la ville. Donc on fait des visites de points touristiques de Sao Paulo et aussi les premiers jours, quand on arrive ici à FGV, on fait la visite du campus avec nos buddies respectifs. Un buddy, c'est un étudiant de FGV qui est là justement pour nous orienter dès les premières semaines de notre arrivée. Donc il peut répondre à nos questions, nous faire visiter des points touristiques de Sao Paulo et aussi nous orienter dans le campus. Du coup, à FGV, ce qui est top, ce sont les associations. Les associations ici, elles sont très tournées vers le professionnel et il y a une entreprise junior ici à FGV qui est la plus grande d'Amérique latine. Mon expérience ici au Brésil, elle ne se résume pas qu'au cours, mais à une expérience globale. On peut découvrir des nouvelles cultures, de nouveaux paysages. Pour ma part, j'ai déjà voyagé au Chili, pendant le carnaval aussi à Rio de Janeiro, et je projette d'aller en Colombie avec FGV d'ici quelques semaines. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de croire en vous et croire en vos rêves, car le CESEM, c'est une porte pour réaliser vos rêves.